Bonjour à toutes et à tous, chers internautes de Turf FR, et bienvenue dans la minute quintée du jour où nous allons aborder ensemble l'événement du vendredi 14 août 2020 sur l'hippodrome de Cabourg en Normandie. Avant cela, comme le veut la tradition, débriefons du quintet de la veille qui avait lieu ce mercredi sur l'hippodrome d'Anguin-Soisy. Comme prévu, le numéro 4, Carnaval du Vivier, grandissime favori, s'impose très plaisamment. Turf Sélection s'illustre en donnant tierce écarté quintet plus dans le désordre lors d'une arrivée pas très compliquée à déchiffrer. Du côté du concours de pronos gratuits, énormément de gagnants sont à dénombrer. Mettons en avant le podium du jour en félicitant Babar 59, premier du jour donc, ainsi que ses deux suivants, Istraeki et Thierry 3, tous trois donnant quintet plus dans le désordre. Bravo à vous! Allez, direction l'hippodrome de Cabourg en ce vendredi 14 août 2020. Il faudra attendre 20h15 et le départ de la troisième course du programme, le prix de Villedieu-les-Poêles, pour assister au quintet plus du jour. Cette course E, proposant 32 000 euros de dotation, réunira 14 trotteurs d'âge bien connus de nos services. 5 rendront la distance et avec plusieurs chevaux pouvant aller de l'avant, une fois encore, nous assisterons à une course sans concession. C'est quoi le numéro 11 est un élément de qualité entraîné par Florent Lamarre. Piloté par Yoann Le Bourgeois, c'est un élément de grande classe qui est largement capable de rendre la distance de 25 mètres ici. Draga du Châtelet, le numéro 7, sera quant à elle pilotée par David Thomas. Déférée des 4 pieds une nouvelle fois, si elle prend les commandes de l'épreuve, elle peut espérer aller au bout. Éditeur Laravel, le numéro 8, est un cheval régulier dans l'ensemble. Déféré des 4 pieds et bien engagé en tête, il vise logiquement une place dans les 3 premiers ici. Catch My Love, le numéro 10, n'affronte pas le même lot qu'en dernier lieu, où certain Valdezer di Poggio s'imposait plaisamment. Déférée des 4 et pilotée par Franck Nivard, elle peut faire briller l'entraînement Björn Goop. Divinella, le numéro 1 que nous suivons depuis le début de sa carrière, pardon, est une compétitrice douée mais compliquée. Si elle trotte, elle peut largement terminer dans les 5. Diagana Sport, le numéro 3, présenté par Philippe Dojard, sera déféré des 4 pieds sur le dur, ce qui n'a pas été le cas depuis très 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 longtemps. Sinon, partant, il venait à y avoir Espoir de Cime, le numéro 6, d'une belle régularité dans l'ensemble, entrerait dans notre pronostic en 6. Si vous avez aimé cette vidéo, les amis, partagez-la, lâchez un gros pouce bleu, commentez et abonnez-vous en activant la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. En attendant, joli quintet plus à tous et nous vous disons à demain pour une nouvelle Minute Quintet.